Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le change entre les deux chefs d'État ici, du lancement des programmes, des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News et www.top243news.com. Nous sommes en direct au Sénat de la République démocratique du Congo, validation de tous les sénateurs par le biais des 5 commissions mises en place à la dernière séance plénière. Mesdames et messieurs, les différents membres de ces 5 commissions ont été bien alertés enfin d'analyser, examiner les différents mandats de chaque sénateur. Et pour ce faire, nous sommes en direct ici pour faire comprendre cette plénière d'aujourd'hui, de ce jeudi, mesdames et messieurs, 6 juin 2024. Nous sommes ici en direct pour vous faire comprendre les déroulements de cette plénière, mais également les rapports de chaque membre de la commission sur la validation après l'examen de chaque sénateur pour la 4e législature de la 3e République. Nous allons vous laisser suivre en commet ici en direct au Sénat de la République démocratique du Congo. Nous allons juste revenir pour vous faire comprendre les déroulements de cette plénière, peut-être à travers les différentes interviews des nouveaux sénateurs qui viennent de faire entrer. Entre-temps, il y a également 4 provinces qui viennent d'élire leurs sénateurs, dont nous allons comprendre avec vous ensemble sur la validation de leur pouvoir. Qu'est-ce que le président du bureau d'âge va dire à l'issue de cette plénière? Vous serez informés. Restez connectés sur Top 243 News Télévision et www.top243news.com. On y revient pour cheminer avec vous ensemble. Restez connectés. Nous allons procéder de la manière suivante.
Ces commissions présenteront leurs rapports l'une après l'autre. Si leurs conclusions sont adoptées par l'Assemblée plénière, les sénateurs des provinces concernées se mettront debout, main levée, lors de la validation de leur pouvoir par le membre de l'Assemblée plénière pour être acclamé. Nous commencerons par la commission spéciale Kassai, Kinshasa, Congo central, Kwango. J'invite les membres de son bureau à venir se placer devant les podiums. Les sénateurs et chers collègues, la commission spéciale Kassai, Kinshasa, Congo central, Kwango a été chargée de vérifier le mandat de sénateur élu des provinces de la Lomami, du Maniema, du Sikivu et de la Djoko. Sans désemparer, la commission spéciale s'est mise au travail et a produit le rapport dont la teneur vous sera délivrée par le premier secrétaire qui fait la fonction de rapporteur. Je vous prie donc, honorable président, de passer la parole au premier secrétaire pour donner le titre du rapport. La commission pour la lecture du rapport. Il s'agit du document numéro R43-1 à votre possession. Rapport relatif à la vérification du mandat des sénateurs élus de province de la Lomami, du Maniema, du Sud-Kivu et de la Djoko. Monsieur le Président, honorable sénateur, conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur en vigueur du Sénat, l'Assemblée plénière a mis en place, au cours de sa séance du vendredi 24 mai 2024, les commissions spéciales de vérification des mandats des sénateurs provisoirement proclamés élus de la 4e législature de la 3e République, parmi lesquels la commission spéciale Kassai, Kinshasa, Congo central, Kwango. Celle-ci a été chargée de vérifier le mandat des sénateurs élus des provinces de la Lomami, du Maniema, du Sud-Kivu et de la Djoko. Votre commission s'est réunie le 27, le 30 et 31 mai 2024 dans la salle Kivu du Palais du Peuple. Sous la présidence de l'honorable Kapenda Kasupu Justin, doyen d'âge. 1. De la composition de la commission spéciale. 1. Du bureau. 1. Kapenda Kasupu Justin, président. 2. Na Ikamba Simon, premier secrétaire. 3. Ngalamulube Akakina Joseph, deuxième secrétaire. 1, 2, des membres ayant pris part aux travaux. 1, Bahati Tito Arlette. 2, Mitusila Lusundi Willy. 3, Kabasele Bajike Mike. 4, Loueto Kiditi Platini. 5, Lungwana Matumona Jacques. 6, Mingo Fula Hubert. 7. Mumuje Marembo Anne. 8. Mouya Mouboyaï Clément. 9. Mouyaza Ayokisa Kisula Nefertiti. 10. Kole Chimwana Gaston. 11. Vangu Kisongo Babi. 1.3. Des membres excusés. 1. Kazani Kankonde Yvan. 2. Kibelo Lumbu Pascal. La commission spéciale a bénéficié du concours des cadres et agents des services techniques et administratifs ainsi que des cabinets politiques dont liste en annexe. Point D. De la documentation. Votre commission s'est servie des documents ci-après. 1.
Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. D. Loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ces jours. 3. Règlement intérieur du Sénat. 4. Dossier individuel des sénateurs élus des élections sénatoriales du 29 avril 2024. 5. Décision de la Commission électorale nationale indépendante relative aux élections sénatoriales du 29 avril 2024. Point 3. De la méthode de travail. Votre commission a procédé par 1. La consultation de décisions de l'élection des sénateurs par province. 2. Le comptage des dossiers physiques transmis par la Commission électorale nationale indépendante. 3. La vérification des pièces constituant les dossiers de chaque sénateur élu. 4. La prise de la décision. Point 4. Du déroulement des travaux. L'ordre du jour de la commission spéciale a comporté un seul point, à savoir la vérification des mandats des sénateurs élus de province de la Lomami, du Maniema, du Sud-Kivu et de la Tchopo. Après la consultation des procès-verbaux des élections sénatoriales du 29 avril 2024, les personnes suivantes ont été élues sénateurs pour leur province ici après. Province de la Lomami. 1. M. Kalambaye Kachobo Jonas. 2. M. Lumamu Mulenda Kwanasefu. 3. M. Mwabilu Mbayu Mukalapius. 4. Madame Mulika Bajikila Florence. Province de Maniema. 1. M. Afani Idrissa Pascal. 2. M. Kalumba Monangongo Justin. 3. M. Lwanga Mukela Faustin. 4. M. Omana Bitika Pascal. Province du Sud Kivu. 1. M. Bahati Lukogo Modeste. 2. M. Basengesi Katitima Nobert. 3. M. Moulakali Moulungania Aristide. 4. M. Mouazi Moumbembe Estage. Province de la Tchopo. 1. M. Amanissa Saïdi Jean. 2. M. Darouesi Mokobe Jean-Pierre. 3. Madame Kayala Ninga Renabel. 4. Madame Nikoba Sabangu Madeleine. Au total, la commission a reçu 16 dossiers physiques équivalents au nombre de sénateurs élus de province et surveillés. Ensuite, votre commission a vérifié si chacun de ces dossiers contenant les éléments exigés par les dispositions de l'article 132 de la loi électorale. Il s'agit des éléments ci-après. 1. L'original de la lettre de consentement conformément au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signé par les candidats. Et une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé. Les tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessous sont sincères et exacts. » 3. 4 photos format passeport. 4. Un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique. 5. Le nom de deux suppléants. 6. Une photocopie de la carte de l'électeur. 7. Une photocopie d'acte de naissance
ou de l'attestation de naissance. 8. Une photocopie certifiée conforme au diplôme d'études supérieures ou universitaires ou de l'attestation antérieure ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. 9. Une preuve de paiement dans les comptes du Trésor public des frais de dépôt des candidatures non remboursables de 1 600 francs congolais par siège. 10. L'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour les candidats indépendants. Après cette vérification, votre commission spéciale a constaté que tous les dossiers individuels des sénateurs élus des provinces concernées ne contiennent pas les 4 photos format passeport, telles qu'exigées par le prescrit de l'article 132 à l'alinéa 2.3 de la loi électorale. Toutefois, chacun de ces dossiers comprend une photo scannée sur le formulaire 7-8 de la CENI qu'il contient. La commission a estimé que les défauts des 4 photos format passeport ne peut constituer un motif pour faire obstacle à la vérification du mandat ni à la proposition de validation de pouvoir de ces sénateurs élus. En conséquence, elle a jugé chacun de ces dossiers conformes à la loi et vous propose de valider le pouvoir des sénateurs élus des provinces de la Lomami, du Maniema, du Sud-Kivu et de la Chopo. Conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 1.2 de la Constitution, il s'agit de, pour la province de la Lomami, 1. M. Kalambay Kachoko Jonas, 2. M. Luman Moulenda Kwanasefu, 3. M. Mwabilu Mbaye Moukalabius, 4. Madame Mouneka Meshkila Florence, pour la province du Maniema, 1. M. Afani Idrissa Pascal, 2. M. Kalumba Mwanandoro Justin, 3. M. Luanga Mukena Faustin, 4. M. Omana Kutika Pascal, pour la province du Sud-Kivu, 1. M. Mahati Kouebo Modeste, 2. M. Masengezi Katitima Norbert, 3. M. Ulakani Mulungania Aristide, 4. M. Mwanzi Mubebe Estab, pour la province de la Tchoukou, 1. M. Mamanissa Saïdi Jean, 2. M. Daroisi Mokobe Jean-Pierre, 3. Madame Kayana Nina Genabel, 4. Madame Nikoba Savam Madeleine, 5. Du vote du rapport. Votre commission a voté son rapport à sa séance du vendredi 31 mai 2024, au cours de laquelle, sur 20 membres qui la composent, 14 ont pris part au vote, 14 ont voté oui et aucun s'est abstenu. Honorable président, honorable sénateur, les travaux de votre commission spéciale se sont déroulés dans un climat empreint de cordialité et de respect mutuel. Telles sont les conclusions auxquelles elle a abouti et qu'elle vous demande d'adopter à l'unanimité. Fait à Kinshasa le 31 mai 2024. Le rapport de la commission spéciale qui a eu à vérifier les mandats des sénateurs des provinces de Lomami, de Maniema, du Sud-Kivu et de la Tchoukou. J'ouvre le débat sur ce rapport. Pour ceux qui veulent intervenir, le fassent écrire. J'ouvre le débat sur ce rapport.
pour ceux qui veulent intervenir, qui se fassent inscrire. Au lieu de Afan Idrissa Pascal, il faut élaguer Pascal, vous mettez Afan Idrissa Mangala. Merci. D'abord, veuillez les manifester qui sont pour. Merci. Qui sont contre. Qui s'abstient. La majorité est pour. Ce rapport est adopté. Il en ressort que rien n'empêche la validation de leur pouvoir. À cet effet, je demande au rapporteur du Sénat de rappeler les noms des élus concernés. Voici les sénateurs élus de la province de l'Omami, du Maniema, du Sud-Kivu et de la Tchoko. Afani Idrissa Mangala, Bahati Lukwebo Modeste, Bamanisa Saïdi Jean, Basengezi Kantitima Norbert, Bulakali Mululungania Aristide, Darouwezi Mokombe Jean-Pierre, Kalambayi Kachiobo Jonas, Kalumba Mwanambongo Justin, Kayala Ninga Rena Bell, Luanga Mukela Faustin, Lumanu Mulenda Wanansefu, Mwabilu Mbayu Mukala Pius, Mwanti Mubembe Estache. Excusez-moi. Chers collègues, vous pouvez asseoir, on vous dira au moment où vous voulez. Merci. Continuez. Mouleka Bajikila Florence, Nikomba Sabangu Madeleine et Omana Bitika Pascal. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre le nom de 16 sénateurs. L'Assemblée plénière va valider leur pouvoir. Veuillez les manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ainsi, les pouvoirs de ces élus sont validés. En conséquence, je les programme sénataires conformément à l'article 228 de la loi électorale. Je demande à ces sénataires de se mettre debout et de lever les bras pour recevoir des acclamations. Membre du bureau de la commission spéciale et je leur demande de regagner leur chaise. À présent, j'invite le membre du bureau de la commission spéciale, Kassai Central, Kassai Oriental, Sankourou, Tswapa, à venir se présenter devant le podium pour nous donner lecture du rapport des travaux de la commission. Je vous remercie. Du document numéro R43-2.
honorables membres du bureau provisoire, honorables sénateurs, chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur en vigueur du Sénat, l'Assemblée plénière a, au cours de sa séance du 24 mai 2024, mis en place les commissions spéciales de vérification des mandats des sénateurs proclamés élus de la 4e législature de la 3e République, parmi lesquelles la commission spéciale Kassai Centrale, Kassai Orientale, Sankourou et Tchouapa. Cette commission a été chargée de vérifier les mandats des sénateurs élus des provinces du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé, de la Mongala et du Sud-Ubangi. Pour mener à bien cette mission, votre commission s'est réunie les 27, 29 et 30 mai 2024 dans la salle des commissions du Palais du Peuple sous la présidence de l'honorable Pechi Woto Bernard en remplacement du doyen d'âge empêché. Grand point 1 de la composition de la commission spéciale. Congo Mwanyavita Guy, 4. Kalala Wakalala José, 5. Lodi Emongo Jules, 6. Pechi Woto Bernard, 7. Mukengeshai Kabongo Sylvain, 8. Mutwabu Lukuna Lwabeya Jean, 9. Ngindu Idoya Cédric, 10. Ngoyi Kasanchi Alphonse, 11. Tshisekedi Kabasele Jean, 1, 2, 2, des membres excusés. 1. Isenge Lelo Oketa Corneille. 2. Kalala Masimango René. 3. Loano Mboyo Guy. 4. Lutundula Apala Benapala Christophe. 5. Panda Kabangu José. La commission spéciale a bénéficié de l'assistance de cadres et agents des services techniques et administratifs, ainsi que du personnel politique de cabinet, dont la liste en annexe. Grand point 2 de la documentation. Votre commission s'est servie des documents ci-après. 1. Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. Portant révision de certains articles de la Constitution. 2. Loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. 3. Règlement intérieur en vigueur du Sénat. 4. Dossier individuel des sénateurs élus lors des élections sénatoriales du 29 avril 2024. 5. Décision numéro 017/CENI/AP/2024 du 29 avril 2024 portant publication des résultats provisoires à l'élection des sénateurs. Grand 3 de la méthode de travail. Votre commission a procédé de la manière suivante. 1. Consultation des PV annexés à la décision numéro 017/CENI/AP/2024 du 29 avril 2024 de l'élection des sénateurs par province. 2. Comptage des dossiers physiques transmis par la Commission électorale nationale indépendante. 3.
vérification des pièces constituant le dossier de chaque sénateur élu. Et 4, prise de la décision. Dans 4, du déroulement des travaux. Lors du jour des travaux de la commission spéciale, l'ordre du jour, des travaux de la commission spéciale a comporté un seul point, à savoir la vérification des mandats des sénateurs élus des provinces du Bas-Uélé, du Haut-Uélé, de la Mongala et du Sud-Ubangi. Après consultation des procès-verbaux des élections sénatoriales du 29 avril 2024, annexé à la décision numéro 017 par CENI, par AP, par 2024 de la CENI, les personnes suivantes ont été élues sénateurs pour les provinces ci-après. Pour la province du Bas-Uélé, 1. Madame Akito Amela Carole. 2. Madame Aminata Namasia Azeko. 3. Monsieur Sinango Mukakoli Edi Pascal. 4. Monsieur Gebanga Tarangutoro Norbert. Pour la province du Haut-Uélé, Monsieur Madame Ubondimo Kabadile Anne. 2. Monsieur Baseane Nanga Christophe. 3. Monsieur Mankele Manganima Prosper. 4. Monsieur Batumoko Afozumbe Jean-Pierre. Pour la province de la Mongala, 1. Monsieur Liao et moi Kalokola Jean-Pierre. 2. Monsieur Sakombi Olendo Aimé. 3. Monsieur Okumwana Maposo Élisée. 4. Monsieur Lingepo Molonga Michel. Pour la province du Sud-Ubangi, 1. Monsieur Mondongue Bamboulou Alexis. 2. Madame Boboy Mwanela Aimé. Élise Boboy Mwanela Nadine. 3. Monsieur Koussa Tongwa Jean-Lucien. 4. Madame Bemba Ndokwa Françoise. 35. Du vote du rapport. Votre commission a voté son rapport en sa séance du jeudi 30 mai 2024, au cours de laquelle, sur 16 membres qui la composent, 10 ont pris part au vote et tous ont exprimé un vote favorable. 6 conclusions. Honorable président provisoire, honorable membre du bureau provisoire, honorable sénateur, chers collègues, les travaux de votre commission spéciale se sont déroulés dans un climat empreint de cordialité et de respect mutuel. Telles sont les conclusions auxquelles a abouti votre commission et qu'elle vous demande d'adopter à l'unanimité. Fait à Kinshasa le 30 mai 2024. Je vous remercie. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture du rapport de la commission spéciale qui a eu à vérifier les mandats des sénateurs des provinces du Bas-Uélé, du Haut-Uélé, de la Mongala et du Sud-Ubangi. J'ouvre le débat sur ce rapport. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Personne prend la parole. Nous allons adopter ces rapports. Veuillez les manifester. Ils sont pour. Merci. Qui sont contre? Qui s'abstient? La majorité est pour. Ce rapport est adopté.
il en ressort que rien n'empêche la validation de leur pouvoir. À cet effet, je demande au rapporteur de rappeler les noms des élus concernés. Les sénateurs élus de province du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé, de la Mungala et du Sud-Oubangui. Agito Amela Karo, Aminata Namasia Bazaïgo, Baziani Nanga Christophe, Batumoko Afozunde Jean-Pierre, Bemba Ndokwa Françoise, Boboy Mwanela Nadine, Bokumwana Makoso Élisée, Oussa Tompa Jean-Lucien, Gebanga Tarangu Norbert, Kongodino Kababile Anna, Liao Ebua Kalokola Jean-Pierre, Lingepo Molonga Michel, Mangukule Mangadima Oscar, Mondonge Bambulu Alexis, Sakombi Molendo Aimé et Sinango Mbakoli Edi Pascal. L'Assemblée plénière va valider leur pouvoir. Veuillez les manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ainsi, les pouvoirs de ces élus sont validés. En conséquence, je déprogramme sénateur conformément à l'article 228 de la loi électorale. Je demande à ces sénateurs de se mettre debout et de lever les bras pour recevoir des acclamations. Je félicite le membre du bureau de la commission spéciale et je leur demande de regagner leur chaise. À présent de la commission. Honorable secrétaire, membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, faisant suite à la décision de l'Assemblée plénière du 24 mai 2024, votre commission spéciale Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Mongala et Sud-Oubangui a travaillé la semaine du 27 mai au 1er juin 2024 pour vérifier minutieusement tous les documents contenus dans chacun des dossiers des sénateurs élus des provinces après au Katanga, au Lomami, Lualaba, Tanganyika. Il s'est agi de vérifier effectivement les mandats de ces sénateurs des provinces 6 évoquées en vue de soumettre les rapports à votre auguste assemblée plénière. Je vous demande de permettre au premier secrétaire de notre commission spéciale de procéder
à la lecture du rapport de notre travaux. Je vous remercie. Commission spéciale, Bazouélé, Otouélé, Mongala, Sidi Koubangi. Rapport relatif à la vérification des mandats des sénateurs élus des provinces du Haut-Katanga, Olomami, Lualaba et Tanganyika. Monsieur le Président, honorables sénateurs, au cours de sa séance du 24 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur du Sénat en vigueur, l'ensemble plénière du Sénat, réunie dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple, a mis en place 5 commissions en vue de vérification du mandat des sénateurs provisoirement proclamés élus de la 4e législature de la 3e République. À cet effet, votre commission spéciale Bazouélé, Otouélé, Mongala et Sidi Koubangi a été chargée de vérifier des mandats des sénateurs élus des provinces du Haut-Katanga, Olomami, du Lualaba et du Tanganyika. Déférant à cette mission, elle s'est réunie le 27, le 28, le 29, le 30, le 31 mai et le 1er juin 2024 dans la même salle, sous la présidence de l'honorable Mamoukele Mangadima Prosper Doyen Dage, content de la composition de la commission spéciale. 1. Du bureau. 1. Mamoukele Mangadima Prosper, président. 2. Linge Pomolonga Michel, premier secrétaire. 3. Aminata Manasia Bazego, deuxième secrétaire. 2 membres. Quentin 2. 2 membres et a pris part aux travaux. Akito Amela Karol. Aminata Manasia Bazego. Batumoko Afo Zunde Jean-Pierre. Bembandokwa Françoise, Boboi Mwandela Nadine, Bokumwana Mabose Élysée, Kebanga Taranguto Norbert, Kumbo Dimo Kababile Anna, Linge Pomolonga Michel, Mangukele Mangadima Prosper, Mondonge Baboule Alexis, Sinanga Mbakoli Edi Pascal, Grande 2. De membres esquisés, Basea Nanga Christophe, Boussa Tomba Jean-Lucien, Liaou Eboua Kalokola Jean-Pierre, Sakombi Molendo Aimé. La commission spéciale a bénéficié du concours des cadres et agents des services techniques et administratifs ainsi que du personnel politique du cabinet du président dont listé en annexe. Grand 2. De la documentation. Votre commission s'est servie des documents ci-après. 1. Constitution de la République démocratique du Congo du 28 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. 2. Loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ces jours. 3. Règlement intérieur du Sénat en vigueur. 4. Documents individuels et physiques de chaque sénateur élu lors de l'élection sénatoriale du 29 avril 2024. 5. Procès verbaux de la Commission électorale nationale indépendante relatif à l'élection sénatoriale du 29 avril 2024. 3. De la méthode du travail. Votre commission a suivi la démarche suivante. 1. La consultation des procès verbaux de l'élection sénatoriale par province. 2. Les comptages des dossiers physiques transmis par la Commission électorale nationale indépendance CENI en cycle. 3. La vérification des pièces constituant les dossiers de chaque sénateur élu. 4. De la prise de décision. 4. Du déroulement des travaux. 4.1.
de la consultation des procès-verbaux de l'élection sénatoriale par province. Après lecture des procès-verbaux, votre commission a constaté que les personnes suivantes sont élues sénateurs dans les provinces ici après. A. Province d'Ibo-Katanga. 1. M. Kalongo Binene Tami. M. Kalonda Dela Idi Salomon. M. Kiabidoa Katwe Jacques. M. Samaluko de Jean-Michel. Province d'Ibo-Yomami. Madame Yamba Kazadi Gracia. M. Ilunga Kitombo Loué Alain. Madame Kabamba Wakumba Isabelle. M. Banza Maloba Dani. Province d'Iloa Lama. M. Kanimou Chidani Michel. M. Nawesh Yav Norbert. M. Machakata Kayembe Célestin. Madame Masuka Saini Fifi. Province d'Itanganyika. Madame Katumwa Mukalai Viki. Madame Mwando Katepa Christine. M. Pungwe Bouyou Longola Patrice. M. Ramazani Masoudi Kile. 4. Du comptage des dossiers individuels et physiques des sénateurs tels que transmis par la CENI. Votre commission a dénombré 16 dossiers individuels et physiques des sénateurs élus à raison de 4 par province. De la vérification des pièces constituant les dossiers de chaque sénateur. Votre commission a pris soin d'élire, à titre de rappel, les dispositions de l'article 132, alinéa 2 et 4 de la loi électorale fixant les éléments constitutifs du dossier de chaque sénateur élu. Il s'agit de 1. L'original de la lettre de consentement, conformément au modèle fixé par la commission électorale nationale indépendante et signée par les candidats. 2. Une fiche d'identité, suivie de curriculum vitae détaillé, les tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que le renseignement sur les sont sincères et exactes ». 3. 4 photos format passeport. 4. Un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique. 5. Le nom de deux suppléants. 6. Une photocopie de la carte de notaire. 7. Une photocopie de l'acte de naissance ou attestation de naissance. 8. Une photocopie certifiée conforme des diplômes d'État, des diplômes supérieurs, universitaires, de l'attestation en ténalier, de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-culturel. 9. Une preuve de paiement dans le compte du trésor public, des frais de dépôt des candidatures non remboursables de 1 600 000 francs au collègue par siège. L'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son régroupement politique, sauf pour le candidat indépendant. Après cette vérification, votre commission a constaté que tous les dossiers physiques, individuels et physiques, les sénateurs sont conformes au regard de la loi. 4. De la prise de décision. Au terme de la démarche suivie, votre commission a proposé la validation des pouvoirs des sénateurs élus dans les provinces ci-après. A. Pour la province d'Ibo-Katanga, M. Kabongo Binene Tami, M. Kalonda Dela Idi Salomon, M. Kabidoa Katwe Jacques, Monsieur Samalukonde, la province de Bolomabi, Madame Samba Kazadi Gracia, Monsieur Ilunga Kitomboloué Alain, Madame Kabamba Wakumba Isabelle, Monsieur Banza Maluba Dani, la province de Lualaba, Monsieur Kanimu Chitani Michel, Monsieur Nawesh Yav Norbert, M. Machakata Kayembe Célestin, Madame Masuka Saini Fifi, de la province d'Itanganyika, Madame Katumwa Mukalai Kiki, Madame Mwando Kante Patristine, M. Mungwe Mbuyu
Luola Patrice, Messi Ramazani Masoudi, Kilema. 5. 10 rapports, vote du rapport. Votre commission spéciale s'est réunie le samedi 1er juin 2024 pour adopter son rapport. Sur 16 membres qui composent la commission spéciale, 11 ont pris part au vote, 11 ont voté par oui, aucun n'a voté par non, aucun ne s'est abstenu. Telles sont les conclusions auxquelles votre commission a abouti et vous demande d'adopter à l'unanimité, fait à Kinshasa le 1er juin 2024. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture du rapport de la commission spéciale qui a eu à vérifier les mandats du sénateur des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Valaba et du Tanganyika. J'ouvre le débat sur ce rapport. Ceux qui veulent intervenir, se fassent inscrire, adopter ces rapports. Veuillez les manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Ce rapport est adopté. Il en ressort que rien n'empêche la validation de l'approuvant. Je demande au rapporteur de rappeler les noms des élus concernés. Voici le sénateur élu de province du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Valaba et du Tanganyika. Banza Maloba Dani, Ilunga Kitombolwe Alain, Kabambawa Kumba Isabelle, Kabongo Binene Dani, Kalonda Dela Idi Salomon, Kanimbu Shindani Michel, Katumwa Mukalai Piki, Tiabula Katwe Jacques, Machata Kaimbe Celestin, Masuka Saini Fifi, Mwando Kantepa Christine, Naweji Yav Norbert, Mpumbwe Mbuyu Luyongola Patrice, Ramazani Masoudi Kilele, Sama Lukonde Kienge Jean-Michel et Yamba Kazadi Grasso. L'Assemblée plénière va valider leur pouvoir. Veuillez les manifester. Qui sont pour? Je vous remercie. Qui sont contre? Qui s'abstient? Ainsi, les pouvoirs de ces élus sont validés. En conséquence, je les programme sénateurs conformément à l'article 228 de la loi électorale. Je demande à ces sénateurs de se mettre debout et de lever les bras pour recevoir les acclamations. Je fais mal et je leur demande honorable président du bureau provisoire du Sénat, honorable membre du bureau provisoire, honorable sénateur et chers collègues, il vous souviendra qu'en date du 24 mai 2024, il a été institué des commissions spéciales en vue de procéder à la validation
des pouvoirs des sénateurs dans les provinces du Kasaï, de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Et cette tâche a été confiée à la commission spéciale constituée de sénateurs élus de l'Omami, de Maniema, du Sud Kivu et de la Tchopo. Votre commission a réalisé le travail dans de bonnes conditions et elle s'est réunie à 4 reprises à l'issue de ces réunions et là adopter un rapport qui va vous être présenté et que nous allons devoir vous demander d'adopter à l'unanimité. Qu'il plaise à l'honorable président du bureau provisoire d'accorder la parole au rapporteur de notre commission. La parole est au rapporteur. Honorable président du bureau provisoire, honorable président du bureau provisoire, conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur du Sénat, l'Assemblée plénière au cours de sa séance du vendredi 24 mai 2024 a chargé la commission spéciale de l'OMAMI, Maniema, Sikivu, Tchopo, à vérifier les mandats des sénateurs élus de province du Kasaï, du Kinshasa, du Congo et du Congo central. Différentes décisions, votre commission s'est réunie le 27, 29 et le 31 mai 2024 à la salle du spectacle du Palais du Peuple sous la présidence de l'honorable Mano Lenda Balancé, président Edouard Edage de la commission. De la proposition de la commission spéciale du bureau, Mano Lenda Balancé, président, Mano Bitika Pascal, premier secrétaire, Kaya Leninga Renabel, deuxième secrétaire. Deux membres, Afani Idrissa Mangala, Bahati Boukwebo Modeste, Manissa Saïdi Jean, Bassengezi Kantintima Norbert, Boulakali Moulungania Aristide, Darwezi Mokombe Jean-Pierre, Kalumba Monangombo Justin, Kalambaï Kachio Jonas, Luanga Mukela Faustin, Mwabilou Mbayou Mukala Pius, Mouhanzi Mubembe Estache, Muleka Badikila Florence, Nikomba Sabangu Madeleine. Deux membres excusés, Kalamba Kachiobo Jonas et Kalumba Manangongo Justin. Votre commission spéciale a bénéficié du concours des cadres et agents de l'administration dont liste en annexe de la documentation. Votre commission s'est servie documentation après 1. Constitution de la République démocratique du Congo. 2. La République démocratique du Congo. 2. Loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ces fins. 3. Règlement intérieur du Sénat. 4. Dossier individuel du sénateur élu lors des élections sénatoriales du 29 avril 2024. 5. Procès-verbaux de la Commission électorale nationale et indépendante relative aux élections sénatoriales du 30 avril 2024. De la méthode de travail, la Commission a procédé par 1. La consultation des procès-verbaux de l'élection de sénateur par province. 2. Les comptages des dossiers physiques transmis par la Commission
et droit national indépendante. 3. La vérification des pièces constituant les dossiers de chaque sénateur élu. 4. La prise de la décision. Le déroulement des travaux lors du jour de la commission spéciale. Lors du jour de la commission spéciale a comporté un seul point. Savoir la vérification de membres. La vérification des mandats des sénateurs élus de provinciaux. 1. Kassai, 2. Kinshasa, 3. Congo central, 4. Kwango. De la consultation des procès verbaux de l'élection des sénateurs par province. Après consultation des procès verbaux de l'élection sénatoriale du 29 avril 2024, les personnes suivantes ont été élues sénateurs pour le province Suyapre. Province dit Kassai. Monsieur Mbingo Vula Hubert. Monsieur Mouya Moukoyaï Clément. Monsieur Ngalamoumé Bakakenga Joseph. Monsieur Nkole Chimwanga Kazemi. Province de Kinshasa. Madame Batitito Arlette. Monsieur Kabasele Toubachika Miki. Monsieur Kabuya Chirumba Augustin. Monsieur Kazali Kankonde Ivan. Monsieur Lungwana Matumona Jacques. Madame Mbuguche Marembo Anne. Monsieur Mulumba Kongolo Kongolo Jia. Monsieur Mobila Maka Chantin. Province du Congo central. Monsieur Udimbu Tubwanga Didier. Monsieur Kindwelo Lumbu Pascal. Madame Mudianza Bayokisa Kisuna Nefer Didier. Monsieur Vangu Kinsongo Babi. Province du Kwango. Monsieur Bituila Musunji Willy. Monsieur Kapenda Kasuku Chista. Monsieur Lueto Kididi Platini. Monsieur Na Kamba Simon. Le comptage des dossiers physiques transmis par la Commission électorale nationale indépendante. S'agissant du comptage des dossiers physiques, votre commission a reçu 20 dossiers équivalents au nombre des sénateurs élus de province 6 civilisés. De la vérification des pièces constituant le dossier de chaque sénateur élu, votre commission a vérifié les pièces des dossiers de tous les sénateurs concernés, cas par cas, afin de s'assurer de leur régularité conformément aux dispositions de l'article 132 de la loi électorale. Et il s'agit de pièces ci-après. 1. Original de la lettre de consentement conforme, un modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signé par les candidats. 2. Une fiche identique suivie d'un quiproquo vital détaillé. Et tout c'est terminant par la formule, je jure, l'honneur et les renseignements ci-dessous sont sincères et exacts. 3, 4 photos formant passeport, 4, un symbole ou logo du parti politique ou des groupements politiques, sauf pour les candidats indépendants. 5, le nom du deux suppléants. 6, une photocopie de 4 directeurs. 7, une photocopie de l'acte de naissance, de l'attestation de naissance. 8. Une photocopie de certificat, une photocopie certifiée en forme de diplôme d'État, diplôme d'études supérieures ou université ou de l'attestation d'une antenne ou de l'attestation justifiée d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. 9. Une preuve de paiement dans les comptes du trésor public, du frais de dépôt, des candidatures non remboursables, 1 600 000 francs congolais par siège. 10. L'original de la lettre d'investiture du candidat
dans son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour les candidats indépendants. À l'issue de l'examen minutieux de chaque dossier, après débat et délibération, votre commission a constaté que tous les dossiers individuels des sénateurs élus sont conformes à l'article 132, alinéa 2 et 3 de la loi électorale. De la prise de la décision, après conformité, les dossiers vérifiés, votre commission propose de valider le pouvoir des sénateurs élus de province Kassai, de Kinshasa, du Congo et du Congo central, conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 1.2 de la Constitution. Il s'agit de messieurs Bingo Vula Hubert, messieurs Mouya Mopoyaï Clément, messieurs Ngalamboumé Bakakinga Joseph, messieurs Poli Chimanga Castro. Pour la province de Kinshasa, madame Bat Tito Arlette, Monsieur Tabasele Touadjika Mikir, Monsieur Kabouya Chirumba Okistan, Monsieur Kazadi Kankonde Yvon, Monsieur Lungwana Matumona Jacques, Madame Mboudje Marembo Anne, Monsieur Mulumba Kongolo Kongolo Gérard, Monsieur Ngobila Mbaka Gentil, pour la province du Congo central. Monsieur Boudimbou Touba Didier, Monsieur Kindwe Dorumbu Pascal, Madame Boudianza Bayokissa Kisula Nefertiti, Monsieur Vang Kinsongo Babi, pour la province du Kwango, Monsieur Pituila Moussunji Willy, Monsieur Kapenda Kassou Gislain, Monsieur Louetto Kididi Platini, Monsieur Nara Ikamba Simon, du vote du rapport. Votre commission a voté son rapport. Sa séance 31 mai 2024, au cours de laquelle, sur 16 membres qui la composent, présente part au vote. Et ont voté oui, aucun s'est abstenu. Honorable président du bureau provisoire, honorable du bureau provisoire, honorable sénateur et chers collègues, les travaux de votre commission spéciale se sont déroulés dans un climat empreint de cordialité et de respect mutuel. Telles sont les conclusions auxquelles elle a abouti et qu'elle vous demande d'adopter à l'unanimité. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture du rapport de la commission spéciale qui a eu à vérifier les mandats des sénateurs de province du Kassai. Nous avons acté. Et nous allons adopter ces rapports. Veuillez les manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Ce rapport est adopté. Il en ressort que rien n'empêche la validation de leur pouvoir. Je demande au rapporteur de rappeler les noms des élus concernés. Voici le sénateur élu de province du Kassai, de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Bahati Tito Arlette, Mituisila Lusunji Willy, Boudimbu Ntubwanga Didier, Kabasele Tubajika Mike, Kabuya Chilumba Augustin, Kapenda
Kasuka Justin, Kazani Kankonde Ivan, Kindwelo Lumbo Pascal, Lueto Kididi Platini, Lungwana Matumona Jacques, Mbigo Mvula Norbert, Mbuguje Marembo Anne, Mulumba Kongoloa Kongolo Gérard, Mouya Mugoyai Clément, Na Ikamba Simon, Ngalamulume Bakien Nga Joseph, Ngobila Mbaka Gentini, Ngudianza Bayokisa Kisula Nefertiti, Nkole Chimwanga Gaston et Vangu Ki Nsombo Babili. L'ensemble plénière va valider leur pouvoir. Veuillez les manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ainsi, les pouvoirs de ces élus sont validés. En conséquence, je les programme sénateur conformément à l'article 228 de la loi électorale. Je demande à ces sénateurs de se mettre debout et de lever le bras pour recevoir les acclamations. Cinquième et dernière commission. J'invite le membre du bureau de la commission spéciale au Katanga, au Lomami, Gualaba, Tanganyika à venir se placer devant le podium. La parole est au président de la commission. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, la commission spéciale au Katanga, au Lomami, Lualaba, Tanganyika a été chargée de vérifier les mandats des sénateurs élus des provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Sankuru et de la Tchopa. Elle a travaillé d'arrache-pied dans un climat empreint de sérénité, sous l'accompagnement des services administratifs, que je remercie vivement. Les 16 dossiers vérifiés sont conformes. Les collègues dont le nom manquait des petits éléments comme les photos formant passeport et les preuves de paiement de la caution ont été atteints et ils ont passé régulariser leur situation. Honorable Président, tout en vous remerciant de la parole m'accordée, je vous prie d'autoriser les rapporteurs de la Commission à passer pour donner lecture du rapport des 10 travaux. Je vous remercie. Le rapport, la parole par vous dit au rapporteur. Honorable Président du Bureau provisoire, honorable sénateur, conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur du Sénat, l'Assemblée plénière a, à sa séance du 24 mai 2024, mis en place les commissions spéciales de vérification des mandats des sénateurs programmés provisoirement élus de la 4e législature de la 3e République. Ainsi, la commission spéciale au Katanga, au Lomami, Lualaba, Tanganyika a été chargée de vérifier les mandats des sénateurs élus des provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Sankuru et de la Tchopa.
Deferment à cette mission, votre commission s'est réunie le 27, le 28, le 29 et 30 mai 2024 dans la salle des conférences internationales sous la direction de l'honorable Nawej Yab Nober, son président et le doyen d'âge. De la composition de la commission spéciale du bureau 1, Nawej Yab Nober, président 2, Kabongobi Nenedani, premier secrétaire 3, Yamba Kazani Gracia, deuxième secrétaire. Des membres ayant pris part aux travaux Ilunga Kipongolui Alain, Kabamba Waumba Isabelle, Kanibu Shindani Michel, Katumwa Mukalai Viki, Machata Kaïm de Célestin, Mondo Katemba Christine, Pungwe Mbui Luyongolo Patrice, Ramazani Masoudi Kilele, Sama Lukonde du Congo, tel que modifié et complété à ces jours. 2. La loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipal, local, tel que modifié et complété à ces jours. 3. Règlement intérieur du Sénat. 4. Dossiers individuels des sénateurs concernés. 5. Décision numéro 017 par CENI par AP par 2024 du 29 avril 2024 portant publication des résultats provisoires à l'élection des sénateurs. De la méthode de travail. Pour bien mener sa mission, votre commission a suivi les étapes suivantes. 1. Consultation des procès-verbaux à l'élection des sénateurs par province. Comptage des dossiers physiques transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour les provinces du Kasaï central, Kasaï oriental, du Sankourou et de la Tchouap. 3. Vérification cas par cas des pièces constituant les dossiers de chaque sénateur élu. Position finale de la commission. Déroulement des travaux. Consultation des procès-verbaux de l'élection. Votre commission a commencé par consulter les procès-verbaux des élections sénatoriales du 29 avril 2024, au terme desquelles les personnes suivantes ont été élues sénateurs, au regard de leurs provinces respectives. Province du Kasaï central. Messieurs Moukeneshaï Kabongo Sylvain, Messieurs Moutouakou Lukuna Lwabeya Jean, Messieurs Nguindou Bidoya Sévig, Messieurs Tshisekedi Kabasele Jean, la province du Kasaï oriental, Messieurs Kabongo Mwadjamvita Guy, Messieurs Kalala Wakalala José, Messieurs Panda Kabangu José, Messieurs Moï Kassanji Alphonse, province d'Issankour, Messieurs Kalala Massimango René, Messieurs Lodi Emongo Gilles, Messieurs Lutungula Abala Benapala Christophe, Messieurs Petit Otto Bernard, la province de la Tchouap, Messieurs Mbongo Ngoi Pancras, Messieurs Ekumbo Longulu Moïse, Messieurs Isenge Ndelo
Bokeka Corneille, Monsieur Loando Mboyo Huyo. Comptage des dossiers visibles. Votre commission a ensuite procédé au comptage des dossiers physiques réceptionnés. Elle en a dénombré 16 équivalents au nombre des sénateurs élus des quatre provinces ci-citées. Vérification des pièces constituant les dossiers de chaque sénateur. Après le comptage, tous les dossiers physiques, l'un après l'autre, ont été minutieusement vérifiés en vue de s'assurer de la présence de tous les éléments exigés par les dispositions de l'article 132 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections locales et présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, tel que modifié et complété à ces jours. Il s'agit des éléments ci-après. Une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par les candidats. Une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé. Les tout se terminant par la formule « J'agis sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». 4 photos format passeport, un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, les noms des suppléants, une photocopie de la carte d'électeur, une attestation de naissance, un récépissé qui dépose par candidat ou par liste d'une caution non remboursable de 1 600 000 francs congolais, constant versé dans les comptes du Trésor public, sauf pour la liste qui aligne 50% au minimum des femmes dans une circonscription. Une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, une photocopie certifiée conforme du diplôme des titres supérieurs ou universitaires ou de l'attestation en tenant lié ou l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. Après vérification, votre commission a constaté que tous les dossiers individuels des sénateurs élus sont conformes aux dispositions de l'article 132 précité. Les sénateurs dont les dossiers étaient incomplets ont été appelés à les compléter. Position finale de la commission. Il en découle des constats de la commission qu'aucun des dossiers vérifiés n'était entaché d'irrégularité, hormis quelques cas dont un complément d'éléments a été effectué. Ainsi, tout en déclarant conforme les 10 dossiers, votre commission spéciale vous propose de valider les pouvoirs des sénateurs concernés en vertu des dispositions de l'article 114 alinéa 1er, point 2 de la Constitution et 14 alinéa 1er, point 1 du règlement intérieur du Sénat. Il s'agit de, pour la province du Kasaï central, Monsieur Kéneshaï Kabongo Sylvain, Monsieur Moutouabou Lukuna Loabea Jean, Monsieur Gindou Bidoya Sepik, Monsieur Tshisekedi Kabasele Jean, pour la province du Kasaï oriental, Monsieur Kapongo Mwadjamvita Ki, Monsieur Kalala Wakalala José,
Messieurs Panda Kabangu José, Messieurs Moï Kassange Alphonse. Pour la province d'Issangou, Messieurs Kalala Simango René, Massimango René, Messieurs Lodi et Mongo J, Messieurs Lutundula Apala Benapala Christophe, Messieurs Petit Woto Bernard. Pour la province de la Tchouapa, Messieurs Mbo Ngoi Pancras, Messieurs Ekumbo Lungulu Moïse, Messieurs Isenge Ndelo Bokeka Cornel, Messieurs Loando Mboyo Guy. De l'adoption du rapport, votre commission s'est réunie le 29 mai 2024 pour adopter les rapports. Sur 16 sénateurs qui la composent, 10 ont pris part au vote. Les quorums de vote n'ayant pas été atteints, conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Sénat, une séance subséquente a été convoquée le même jour, au cours de laquelle tous les sénateurs présents ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. Honorable président du bureau provisoire, honorable sénateur et chers collègues, les travaux de votre commission spéciale se sont déroulés dans un climat empreint de cordialité et de respect mutuel. Telles en sont les conditions qu'elle vous prie d'adopter à l'unanimité. Fait à Kinshasa le 29 mai 2024. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du rapport de la commission spéciale qui a eu à vérifier le mandat du sénateur des provinces du Kassai central, du Kassai oriental, du Centre-Vou et de la Tchouapa. J'ouvre le débat sur ce rapport. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Aucun intervenant, nous allons adopter ces rapports. Veuillez les manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstient? La majorité est pour. Ce rapport est adopté. Il en ressort que rien n'empêche la validation de leur pouvoir. À cet effet, je demande au rapporteur de rappeler les noms des élus concernés. Voici les sénateurs élus de province du Kassai central, du Kassai oriental, du Sankourou et de la Tchouapa. Ongo Mkoi Pakras, Ekumbo Lungulu Moïse, Isenge Ndelo Bokeka Corneille, Kabombo Mwajamvita Guy, Kalala Massimango René, Kalala Wakalala José, Loando Mboyo Guy, Lodi Emongo Jules, Lutundula Apala Penapala, Mpanda Kabangu José, Mpechi Woto Bernard, Mukengeshai Kabungo Sylvain, Mutuabu Lukuna Lwabea Jean, Ngindu Bidwaya Cédric, Ngoi Kassanji Alphonse,
et Tshisekedi Kabasele Jean. L'ensemble plénière va valider leur pouvoir, veiller les manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ainsi, les pouvoirs de ces élus sont validés. En conséquence, j'ai les programmes sénataires conformément à l'article 228 de la loi électorale. Je demande à ces sénataires de se mettre debout et d'élever les bras pour recevoir les acclamations. Félicite les membres du bureau de la commission spéciale et je leur demande de regagner leur chef. Chers collègues élus, nous venons de terminer la validation des pouvoirs du sénateur de la 4e législature de la 3e République. Nous voici donc proclamés sénateurs après la validation des pouvoirs des 84 élus. Au nom du bureau provisoire et au mien propre, je réitère mes sincères félicitations à tous les sénateurs, aux différentes commissions spéciales, ainsi qu'aux membres de l'Assemblée plénière. Comme je l'avais dit au cours de la précédente séance, la validation du pouvoir se poursuivra au fur et à mesure de l'arrivée de nos collègues des provinces qui organisent l'élection sénatoriale. Honorables sénateurs et chers collègues, je voudrais souligner que ceux d'entre nous exercent encore des fonctions incompatibles avec notre qualité de sénateur. À ce sujet, je demande au rapporteur de donner lecture d'abord de l'article 108 de la Constitution du pays comme article 77 de la loi électorale, ensuite l'article 78 de la loi électorale. Article 108 de la Constitution, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, le 18 février 2006. Le mandat des députés nationaux est incompatible avec le mandat des sénateurs et vice-versa. Le mandat des députés ou sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. 1. Membre du gouvernement. 2. Membre d'une institution d'appui à la démocratie. 3. Membre des forces armées, de la police nationale et de services de sécurité. 4. Magistrats. 5. Agents de carrière des services publics de l'État. 6. Cadres politico-administratifs de la territoriale, à l'exception de chefs des collectivités, chefferies et des groupements. 7. Mandataires publics actifs. 8. Membre de cabinet du président de la République, du premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, d'un membre du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte. 9. Tout autre mandat électif. Le mandat des députés nationaux ou des sénateurs est incompatible avec l'exercice de fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international. Fin de citation. Article 78 de la loi numéro 22/029 du 29 juin
2022, modifiant et complétant, il est présumé avoir renoncé à son mandat de sénateur. Fin de citation. Honorables sénateurs et chers collègues, après lecture de ces dispositions constitutionnelles et légales, chaque sénateur concerné est appelé à se déterminer dans le délai. En attendant cette étape, nous sommes tous sénateurs. À présent, nous revenons au sujet des 16 sénateurs récemment élus dans 4 provinces. En principe, nous devons constituer une commission pour la vérification de leur mandat en vue de la validation de leur pouvoir. Votre bureau propose que l'une de ces 5 commissions spéciales soit retenue pour examiner les dossiers des 16 nouveaux collègues. À cet effet, nous pourrions retenir la commission spéciale qui a présenté le premier rapport. Il s'agit de la commission spéciale Kassai, Kinshasa, Congo Central, Douangou. Y a-t-il d'objection à cette proposition? Nous allons nous prononcer. Qui sont pour la commission spéciale proposée? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstient? Ainsi, c'est la commission spéciale Kassai, Kinshasa, Congo Central, Congo, qui se chargera des dossiers du nouveau sénateur. Elle va se réunir et commencer ses travaux aujourd'hui à l'issue de cette plénière pour les achever demain et déposer son rapport. Ainsi, nous arrivons à la fin de nos travaux de ce jour. La prochaine séance se tiendra le samedi 8 juin et sera consacrée à la validation du mandat et au troisième point de l'ordre du jour relatif à l'élaboration et à l'adoption du règlement intérieur. La séance est suspendue. Nous bénissons notre Dieu qui nous a fait cette grâce. Vous savez, c'est une charge, comme je le dis toujours. Nous sommes disposés à servir notre République et représenter aussi nos provinces. Vraiment, la joie est immense de voir qu'après la vérification de nos dossiers, donc on est aujourd'hui validé et reconnu comme sénateur. Donc, après la séance plénière de vendredi 24 mai, il a été demandé de pouvoir sélectionner quelques commissions spéciales où je me suis retrouvé membre du bureau de commission. C'était commission Kassai, Kinshasa, Congo Central et la Tchoupo. Alors j'étais deuxième secrétaire conformément à la constitution, conformément aussi au règlement intérieur en vigueur, conformément aussi au dossier de chaque candidat sénateur, de chaque sénateur, conformément aussi à la décision de la CENI. Nous avons trouvé qu'il n'y avait pas de cas qu'on devrait échapper, raison pour laquelle tous les sénateurs de toutes ces provinces ici que je venais de citer ont été retenus et leurs dossiers ont été vérifiés. Nous avons trouvé qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait handicaper leur validation. Ouais. Après la mise en place du bureau provisoire, la deuxième étape est celle de la validation des pouvoirs, des mandats des sénateurs, ce qui vient d'avoir lieu tout à l'heure là. La plénière d'aujourd'hui, comme je venais de vous dire, était consacrée à la validation des pouvoirs de sénateurs. C'est qu'il y a eu des commissions spéciales qui ont été créées, qui devraient vérifier les dossiers de tous les sénateurs, si les dossiers étaient complets.
Et ces commissions spéciales devraient faire leur rapport à la plénière, qui devrait adopter la décision prise par ces commissions, donc la décision de valider les mandats, ce qui a été fait. C'est que c'est à partir du moment où on a validé les mandats qu'une personne peut être considérée comme étant réellement un sénateur. C'est-à-dire à partir de ce moment, on a tous les droits, tous les avantages et toutes les obligations des sénateurs. La prochaine étape sera celle d'élaboration du règlement intérieur. C'est qu'on va devoir mettre en place, on va devoir élaborer les règlements intérieurs qui vont régir les Sénats durant toute cette législature. Et enfin, à la fin, maintenant, il sera question de la mise en place du bureau définitif. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre la plénière de ce jeudi 6 juin 2024 en direct du Sénat de la République démocratique du Congo. Pascal Kindwelo, mesdames et messieurs, vient d'examiner avec l'ensemble des 84 sénateurs qui ont été élus en premier tour, mesdames et messieurs, ici en République démocratique du Congo, de l'élection présidentielle ainsi que législature sénatoriale, mesdames et messieurs, récemment en République démocratique du Congo. Vous avez suivi avec nous ici ensemble comment chaque sénateur qui était parmi les 84 sénateurs qui ont été élus en premier tour, leur dossier vient d'être examiné à travers les 5 différentes commissions qui ont été mises en place par la dernière séance plénière ici à Kinshasa, mesdames et messieurs. Maintenant, les 84 viennent d'être élus, validés par cette chambre haute du Parlement de la RDC, mesdames et messieurs. Il y a encore à peu près 4 provinces qui viennent de faire élire encore le nouveau sénateur, mesdames et messieurs. Tous ces sénateurs étaient présents dans la salle des conférences internationales de la chambre haute du Parlement de la RDC, mesdames et messieurs. Ils étaient tous là, mais leur dossier ne sera pas validé en ce moment, d'autant plus qu'il faut récupérer parmi les 5 commissions. La première commission va examiner les dossiers des à peu près 15 sénateurs élus pour les seconds tours, parce que les élections sénatoriales gouverneur en République démocratique du Congo n'a pas été organisées sur toutes les 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo. Il y a certaines provinces qui ont été, pour une raison à une autre d'organisation, ont été élaguées pour une autre fixation de cette processus électoral sur le plan sénatorial, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre la communication en direct, mesdames et messieurs, du Pascal Kindwelo, président du bureau d'âge ici. La question également autour des doyens qui a au moins 93 ans, mesdames et messieurs, Mukamba, mesdames et messieurs, on ne pouvait pas faire débat parce que d'autant plus que ces sénateurs, leurs dossiers n'ont pas été examinés, on ne pourra pas s'établir sur leur validation pour que les débats autour de la question d'occuper le poste du bureau d'âge qui s'étend déjà presque à la fin, qui devait faire le débat. Donc, bref, les temps ne seraient plus pour faire les débats là. Attendons pour observer cette fois si le Sénat va valider le second tour pour le sénateur qui vient d'être élu à travers les différentes provinces qui ont organisé leurs élections largement en retard. Mesdames et messieurs, restez connectés, mesdames et messieurs, pour comprendre la suite d'actualité. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.